dans Elle, épisode à découvrir ce jeudi 6 janvier 2022 dans Famille Nombreuse. La vie en Mixit, celle sur TF1, Emily Fanny aide ses enfants à faire leurs devoirs. En interview, la mère de famille explique faire des divisions comme du franquet ou encore aider à la construction des « un bracelet ». Elle a le sentiment d'être à la tête des une mini classe composée de 7 enfants. Lors des devoirs, les enfants communiquent et s'entraident. Les plus grands donnent des conseils aux plus petits. En interview, Franck Fanny confie ne pas avoir eu cette chance. Il explique que ses devoirs étaient le dimanche soir, seul dans son bureau. Un lourd regret pour le père de famille qui aurait aimé avoir le même cadre de vie que ses enfants pour faire les devoirs. Il était seul et avait le blues. Il pense même qu'il y aurait été premier de elle, école, IS, il avait eu le même cadre de vie que ses enfants. Habituellement, TF1 propose des 17h32 épisodes de Famille Nombreuse. La vie en XXL, une rediffusion suivie d'un numéro inédit. Ce mercredi 5 janvier 2022, la chaîne a programmé 3 épisodes du docu-réalité. Un changement imprévu pour TF1. Côté audience, le numéro inédit de Famille Nombreuse, La vie en XXL a réuni 1,87 million de téléspectateurs, soit 14,3% part de marche sur les 4 ans et plus. Elle, émission est en hausse de 1,9 point par rapport à Elle, édition du 15 décembre 2021. Cible commerciale, le programme a séduit 29,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Nombreuse. La vie en XXL et à retrouver du lundi au vendredi dès 17h30 sur TF1.